Bonjour mes petites gourmandises, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi et vous le savez, je le répète assez que c'est le jour des recettes traditionnelles. Et je me suis inspirée de vos petits commentaires et vous étiez super nombreux à me demander la recette de la crème brûlée. Et donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire ensemble. Si vous êtes prêts, suivez-moi, c'est parti! Crème brûlée, olé olé! On y va, c'est parti! Avec de la crème liquide entière, du sucre roux, une gousse de vanille et des jaunes d'œufs. Je commence par gratter la gousse de vanille pour récupérer les graines. Dans une casserole, je verse la crème, les graines et la gousse et je viens porter le tout à ébullition. Je fouette les jaunes avec le sucre. Je verse la crème qui est venue à ébullition. Je verse mon appareil dans des petits ramequins et je place mes ramequins sur un plat qui contient un petit fond d'eau. Alors on met de l'eau au fond d'un plat parce qu'on va faire une cuisson au bain-marie mais dans un four. À la sortie du four, je les laisse refroidir et je les place au frais pour 4 heures. Et juste avant de les manger, je les saupoudre avec le sucre roux. Et je les fais caraméliser à l'aide d'un chalumeau. Notre crème brûlée est terminée. Vous avez vu, c'est hyper cool parce que c'est une recette super rapide. C'est super bon. Et puis vraiment, vous allez voir, ça vaut pas les crèmes brûlées industrielles. C'est vraiment du fait maison. C'est super bon. Dites-moi si vous avez aimé cette recette en commentaire. Si c'est le cas, laissez-moi des gros pouces bleus. On se retrouve mercredi dans une nouvelle recette avec Loulou. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous aime de plus en plus fort. Ciao !